Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Élan de solidarité pour les sinistrés depuis l'explosion du dépôt de carburant à Kaloum. Le Soudan, les paramilitaires s'emparent d'une ville près de Wad Madani. En Chine, un séisme fait un mois sans 18 morts. Comme je vous le disais dans les titres, une fois encore, bonsoir. L'assistance aux sinistrés se poursuit encore ce mardi depuis l'explosion du dépôt de carburant à Kaloum. Réunis au chapiteau, ces déplacés reçoivent l'aide un peu partout dans le pays, histoire de partager leur douleur. Suivez. Dans la nuit de dimanche à lundi, le souffle de l'explosion de l'incendie qui a suivi dans la zone portuaire de Kaloum a provoqué d'énormes dégâts matériels sans compter son impact sur l'économie. Et depuis là, nous assistons à un élan de solidarité qui ne dit pas son nom dans toute la ville de Conakry. À la maison des jeunes de Ratoma, un comité d'urgence communal a été mis en place pour la collecte des dons par des agents de la Croix-Rouge et des jeunes volontaires. Nous sommes en train de travailler et il y a des équipes qui sont sur le terrain. Et du côté de la commune de Ratoma, il est créé dans cette commune un comité d'urgence communal pour les victimes d'explosion du dépôt d'hydrocarbures à Kaloum. Donc ce comité a pour mission de collecter, d'enregistrer et de stocker les dons en faveur des victimes d'explosion du dépôt d'hydrocarbures à Kaloum. Et en même temps, procéder à l'acheminement des dons au niveau central. En commun accord avec le maire de la commune de Ratoma, le comité a été mis en place à la maison des jeunes, mais d'autres continuent toujours à porter leurs dons eux-mêmes à la mosquée Faisal. Disons peut-être que c'est un manque d'informations, parce que c'est hier on a eu à travailler avec monsieur le maire. Et sur ce comité d'urgence au niveau communal. Déjà, nous recevons des appels, nous avons ouvert des cahiers, les gens viendront dès que possible et nous allons collecter les dons et afin de les acheminer au niveau central. Pour cet autre citoyen qui s'est porté volontaire sans connaître les causes de cet incendie, M. Diallo Mamadouba fait de son mieux pour apporter son aide. La motivation, elle est simple, elle est humaine. Humaine, sociale, environnementale. Puis qu'on a eu, à vivre un tel événement, c'était une première fois d'être témoin d'une telle calamité, d'une telle catastrophe naturelle. On ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qui a causé cela. On a simplement entendu l'explosion, puis il y a des dégâts matériels, puis apparemment aussi il y a des pertes en vie humaine, surtout des dégâts matériels. On a jugé nécessaire de se bouger, de se donner les mains et surtout de collecter des denrées alimentaires, des vêtements, de l'eau pour aider quelques-uns de nos frères, des sœurs et nos mamans pour un peu aider. Depuis l'explosion du dépôt, le transport reste fragilisé par le manque de carburant, une situation qui rend difficile le transport des dons d'un point à un point autre. C'est vrai que le problème de déplacement se pose parce qu'il n'y a pas de carburant et surtout avec les taxis, il y a une hausse des prix. Les tronçons, chacun a doublé son prix, les motards, on n'en parle pas. Mais on arrive, vu vraiment les pertes et les dégâts, on enlève l'argent de nos propres poches et on essaie d'aider le peu qu'on a avec nos maigres moyens. Juste pour faire avancer les choses de notre manière. L'assistance aux sinistrés se poursuit. Des volontaires font le tour de la capitale pour recueillir des vivres. Un acte vraiment sanitaire, toujours dans ce même silage, au moins 13 personnes ont été tuées et 510 blessées dans l'incendie qui a touché lundi le centre de Conakry, la capitale guinéenne, après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays qui a mis la ville à l'arrêt et provoqué d'importants dégâts matériels. Tel est le bilan provisoire car les recherches se poursuivent. Le reportage. Le sinistre est survenu aux environs de Zoroyor, au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, le quartier administratif des affaires de Conakry.
Le bilan provisoire à mi-journée fait état de dépôts de 13 corps sans vie dans les structures sanitaires et de 178 blessés de nationalité guinéenne et étrangère, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. La prise en charge des victimes a permis à 89 blessés de regagner leur famille, a-t-il ajouté. Plus tôt, le directeur technique opérationnel de la protection civile, Jean Traoré, a fait état d'un bilan de 11 morts et 88 blessés graves lors d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères et des ambassadeurs. Les blessés arrivent par dizaines dans deux des principaux hôpitaux de Conakry, Ignace-Dine et Dunka, avait affirmé le docteur Mamadou Sylla, un chirurgien qui travaille à l'hôpital de Dunka. En attendant les enquêtes diligentées par le gouvernement pour connaître les causes exactes de l'incendie, ainsi que le bilan humain et matériel de ce drame, j'appelle le peuple de Guinée à la solidarité et à la prière pour la nation. En ces moments de dure épreuve, a déclaré le chef de la junte Mamadi Doumbouya au pouvoir depuis septembre 2021 dans un texte publié sur sa page Facebook. Le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles et a demandé aux travailleurs du secteur public et privé de rester chez eux dans le Grand Conakry comprenant la capitale et ses environs. L'incendie a été circonscrit et les efforts sont en cours pour l'éteindre totalement, a-t-il dit dans l'après-midi. Des dizaines de véhicules de la protection civile et des camions de SEG sont présents autour du site de l'incendie, a constaté nos journalistes. Miranda. Les paramilitaires soudanais en guerre contre l'armée depuis le 15 avril se sont emparés lundi de Rafah et fait de nouvelles incursions dans la ville voisine de Wad Madani, toutes deux dans l'état d'Al-Jazina, centre-est jusqu'à là épargné par les hostilités selon les témoins. Le reportage. Vendredi, les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont gagné Wad Madani, à 5 km du sud du Khartoum, qui était devenu un refuge pour de nombreux déplacés fuyant des combats dans la capitale. À mesure de les combats progressant, les habitants fuirent la zone. Chef-lieu de l'état d'Al-Jabira, Wad Madani compte plus de 270 000 personnes ayant besoin d'aide et constitué jusque-là un hub humanitaire d'après l'ONU. Sur un autre front, cette fois dans la vaste région du Darfour, une source militaire a dit à l'AFP que l'armée avait frappé à l'aéroport de Niala, deuxième ville du Soudan, ainsi que les bâtiments de la 16e division d'infanterie que les paramilitaires ont dit avoir pris en octobre. Le collectif avocat d'urgence a dit dans un communiqué d'un bombardement avait touché des quartiers peuplés lundi après autre jeudi mené avec des barils explosifs tuant 10 personnes et faisant 37 civils blessés. Côte d'Ivoire, tension du PDCI pour la succession du Konan Bédié. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire devra encore patienter pour la tenue de son 13e congrès ordinaire. Suivez. Les assises pour élire un nouveau président étaient prévues pour samedi dernier, mais le PDCI s'est vu notifier l'annulation in extremis. Les dirigeants de l'ex-parti unique se réunissent ce mardi. Le décès du président Ari Konan Bédié le 1er août dernier a déclenché l'appétence de beaucoup pour la succession. Parmi eux, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassi, et l'ancien patron du Crédit Suisse, Tigane Cham, mais aussi d'autres caciques qui ruminent leur frustration. La justice avait déclaré recevable la plainte de deux militants qui dénonçaient des irrégularités sur la liste des congrégistes appelés à choisir samedi leur président. L'ancien parti unique, celui du père de l'indépendance Félix Ophé-Boigny, n'a plus accédé à la magistrature suprême depuis 1999. Un coup d'État avait alors chassé Ari Konan Bédié du pouvoir. Un temps allié avec Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011, le PDCI a repris sa place dans l'opposition en 2018 et a boycotté la dernière présidentielle. Et les
élections. En RDC, le vote inédit de la diaspora congolaise en Europe ce mercredi. Plus de 45 millions de Congolais sont attendus aux urnes pour les présidentielles. Ce vote concerne également la diaspora congolaise installée en France. Suivez. Entre émotion et patriotisme, certains voteront pour la première fois à Paris. Ces élections ont eu un enjeu assez particulier dans un contexte sécuritaire très tendu à la République démocratique du Congo. Enfin, notre va-va-conté congolais, Ricardo Mushungu, vit en France depuis 23 ans, mais c'est la première fois qu'il va pouvoir voter depuis l'étranger aux élections présidentielles et législatives prévues mercredi en République démocratique du Congo. Béton, quand on entend béton, c'est numéro 20, béton. Depuis qu'un an, je suis à la France. Je n'ai pas voté. Donc c'est toute première fois que non, j'ai voté à l'intérieur du pays. Voilà, donc c'est pour cela que je suis fier. Même tout ce qui se passe là-bas, on voit ça, c'est pas vraiment bien, c'est horrible. Les gens ils souffrent là-bas, surtout à Nord Kivu là-bas, ça nous fait vraiment trop mal. Tu vois les enfants qui fuient par-ci, par-là, vraiment. Donc c'est horrible. Il faut qu'on vote. Fervent administrateur du président sortant, le charpentier d'une cinquantaine d'années arpente le quartier Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris en chantant les louanges de Fatih Béton, surnom donné par ses partisans à Félix Tshisekedi, candidat à un deuxième mandat. Parce que tout le monde sait qui sera le futur président. Ce ne sont pas des élections, efficaces, ce ne sont pas des élections avec des mesures sécuritaires aussi bien fiables. Non, c'est précaire, quoi. Donc c'est déjà truqué, on le sait. Mais est-ce qu'ils vont prendre ça en considération? Est-ce que ça sera bien organisé? Ça sera bien réparti pour nous qu'on est en étranger? Donc ça, si tout ça, ça sera en ordre, tout ça, ça sera bien, ça c'est une bonne idée. De manière inédite depuis l'indépendance en 1960, le scrutin dépassera les frontières du vaste État d'Afrique centrale aux quelques 100 millions d'habitants pour se tenir aussi à l'étranger, un droit garanti par la loi électorale mais qui n'avait jamais été mis en œuvre. Un ambassade de 5 pays retenu par la commission électorale pour cette expérience pilote France, Belgique, Afrique du Sud, États-Unis, Canada ont donc enregistré en début d'année les ressortissants sur les listes électorales. Ramaphosa menace de poursuivre les Sud-Africains combattant pour l'Israël. Les Sud-Africaines qui combattent pour l'Israël pourraient faire l'objet de poursuivres dans le pays. Suivez. Le ministère des Affaires étrangères s'est dit gravement préoccupé par les informations selon lesquelles certains Sud-Africains auraient rejoint l'armée israélienne dans le combat à Gaza. Lundi, lors d'une conférence de presse au siège de l'ANC, le président Cyril Ramaphosa a fait clairement allusion à l'apartheid. As we have looked at the sufferings of the Palestinians, en examinant les souffrances des Palestiniens, nous constatons des similitudes avec ce que nous avons vécu en tant qu'Africains du Sud. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que ce qui se passe à Gaza est une attaque génocidaire et un massacre du peuple palestinien. Onslaught and slaughter of the people of Palestine. Face à l'ampleur de la situation humanitaire causée par des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne, le président sud-africain continue d'employer les termes les plus durs. But what is unfolding now? Mais ce qui se passe maintenant à Gaza est au-delà de l'injustice. C'est un génocide et c'est pourquoi nous le qualifions de génocide contre un peuple et de punition collective contre des innocents. Et c'est pour cela que nous avons appelé à un cessez-le-feu. L'Afrique du Sud a toujours défendu la cause palestinienne
Israël se dit prêt à se battre pour encore des mois, voire plus, pour vaincre le Hamas. Les secours tentent mardi de retrouver des survivants dans les décombres après un puissant séisme dans la nuit qui a fait au moins 118 morts dans le nord-ouest de la Chine, le plus meurtrier depuis près de 10 ans dans le pays. Le reportage. Le tremblement de terre s'est produit à environ 1300 km au sud-est de Pékin, dans la province de Gansu et près de la frontière avec la province de Qinghai. Au moins 105 personnes ont été tuées et près de 4000 blessés dans la province de Gansu après le violent tremblement de terre, selon un bilan établi mardi matin par les autorités locales. La catastrophe a aussi fait 13 morts et 182 blessés, avec 20 personnes portées disparues dans la ville de Hedong, dans la province voisine de Jingé, selon la chaîne de télévision publique CCTV. En Ukraine, l'aide financière en péril, la pression militaire s'intensifie en Ukraine, comme en témoignent les images de destruction à Avdiivka, dans l'est du pays. Dans la ville, les combats font rage depuis plusieurs mois et face aux attaques incessantes de l'armée russe. Kiev a plus que jamais besoin d'un soutien financier. La pression militaire s'intensifie en Ukraine, comme en témoignent les images de destruction à Avdiivka, dans l'est du pays. Dans la ville, les combats font rage depuis plusieurs mois. Et en face aux attaques incessantes de l'armée russe, Kiev a plus que jamais besoin d'un soutien financier. En particulier des États-Unis qui ont engagé plus de 110 milliards de dollars depuis le début de la guerre en février 2022. Sauf que le Congrès américain bloque actuellement l'envoi d'un nouveau volet d'aide. Et la Maison-Blanche a prévenu que le pays n'avait plus qu'une seule enveloppe d'aide avant que les fonds dédiés à l'Ukraine ne s'épuisent. Ces fonds seront donnés avant la fin du mois de décembre, mais son montant n'a pas été communiqué. Kiev doit également patienter avant de recevoir des fonds de l'Union européenne après avoir été bloqué par la Hongrie. Cette aide d'un montant de 50 milliards d'euros doit être discutée depuis 2024. En attendant, après plusieurs mois de combat, les soldats ukrainiens ont de plus en plus de mal à défendre la ligne de front. En février 2024, le conflit entrera dans sa troisième année. C'est la fin de cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Excellente soirée. Portez-vous bien.